Hey, your team's so bad. Tellement mauvaise quand on va au 7ème ciel. Péat. Abonne-toi le Power Podcast. Salut à toutes et à tous, ici Bellum, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Aon, My Way Clan. Mais avant de commencer la vidéo et de vous présenter le gameplay, je vous dirais merci à tous, vous avez dépassé les 200 likes sur la dernière vidéo, vous êtes des gros malades. Et donc aujourd'hui un défi de pouce bleu, vous allez nous mettre 250 likes. Si vous arrivez à faire ça, franchement chapeau. Aujourd'hui on se retrouve avec une nuque réalisée par Nykos, sa chaîne est dans la description, il nous a proposé une petite nucléaire en MG sur la Mad Bridge. Donc rien pour ça, vous allez lui mettre un petit GG dans l'espace des commentaires, vous allez vous abonner à sa chaîne, je pense que ça lui fera très plaisir. Aujourd'hui, vous l'aurez remarqué au titre, on va parler d'Activision. Et on va parler de quoi? De leur prochain vinyle. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'Activision et les produits dérivés, c'est un petit peu leur marque de fabrique. Les t-shirts, les maillots, les pulls, et maintenant les vinyles. Où va donc bien pouvoir s'arrêter Activision? On sait très bien que l'industrie de la musique rapporte énormément d'argent, mais le jeu vidéo, bah c'est le premier. Mais une entreprise qui se met à la fois dans le jeu vidéo et dans la musique, là, on parle d'énormément d'argent. Et on le sait tous déjà, Activision aime bien l'argent. Mais bon, pas autant que Iron Maiden, ouais. Et cette stratégie, bah ça me rappelle un petit peu Assassin's Creed. Parce que oui, si vous êtes pas au courant, il y a eu un film Assassin's Creed qui est sorti au cinéma. Et d'ailleurs, encore une fois, vous en avez encore parlé. Alors, pourquoi pas voir un film Call of Duty pour 2017, voire même 2018. Quelques fuites, beaucoup de rumeurs, honnêtement, j'y crois, mais ça pourrait peut-être pas forcément marcher pour eux. Mais on peut prendre l'image de Warcraft, le commencement, qui était un film donc inspiré de World of Warcraft, qui a reçu beaucoup d'avis positifs. Mais à votre avis, est-ce qu'un Call of Duty Infinite Warfare en version film serait vraiment bien au cinéma? Je le pense pas trop. Finalement, pour en revenir au vinyle, il n'est pas actuellement disponible, je pense pas qu'il le sera, mais en tout cas, on a des photos pour vous. D'après la description qu'on a pu avoir, il s'agirait en fait d'un vinyle contenant la musique du zombie de Infinite Warfare. L'achat d'un vinyle Call of Duty, ça reste fun, ça reste cool, mais les vinyles, faut pas oublier que ça reste cher. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace des commentaires, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, ou un dislike si malheureusement ça ne vous a pas plu. Petite information à vous partager, là On My Way reprend les défis des abonnés, donc n'hésitez pas à proposer vos classes dans la description. Faites en sorte de proposer des classes qui soient un minimum faisables, histoire que la vidéo soit plutôt sympathique à regarder. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était Bellum. On se retrouve pour des prochaines vidéos sur Iron My Way. Allez, ciao tout le monde. Wouh!